Chicken Pod est un jeu de gestion stratégie où le but est de développer sa population de poules grâce à des pouvoirs. Les poules ont leur propre intelligence artificielle. C'est ce qu'on développe en mathématiques de nos jours, un réseau de neurones en fait, qu'on appelle en mathématiques, qui agit seulement sur leur environnement. C'est un jeu multijoueur, free-to-play, accessible sur navigateur internet, par PC, Mac, et disponible gratuitement. C'est grâce à mes enseignants que j'ai eu en master, qui ont eu aussi cette affinité de création d'entreprise. Ensemble, on a établi un projet de valorisation des mathématiques au sein du jeu vidéo. À la place de présenter nos capacités sur un PowerPoint ou avec des algorithmes complexes et théoriques en mathématiques, on a un premier exemple qui est disponible à tout le monde, qui touche un grand public et qui est justement Chicken Pod, où là, on peut percevoir un peu toute la complexité algorithmique qui se cache derrière le jeu. Et c'est grâce à le Hub House que j'ai pu justement découvrir tous les environnements pour la création d'entreprise, puisque je suis inscrit à l'université comme étant étudiant entrepreneur. Il y a un diplôme exprès. Moi ça m'a permis vraiment de me développer. Et si j'avais besoin d'aide, je pouvais me diriger vers le Hub House qui gère un peu tout ce qui est diplôme d'étudiant entrepreneur, qui nous aide justement à nous encadrer dans notre projet. Aujourd'hui, je suis aux phases de développement. Je dois encore établir des business models pour être sûr que ma stratégie d'entreprise est la bonne. Moi qui suis un matheux avéré, professionnellement parlant, c'est ce qui me plaît, et qui suis fan de jeux vidéo sur mes à côté, allier les deux était un projet qui me satisfaisait complètement.